Ok, et bonjour tout le monde. Donc, vous Coucou. êtes deux petits groupes de putains de politiciens de merde. Donc, les communistes et les capitalistes. Donc, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Comment tu veux qu'on se mette en rose, Non, t'en mais enfin, fous? de chaque côté, à droite, à gauche, là. Ok, donc, Voilà. Volka, Jild et Lane, Attendez, on ce n'a pas sera fait les les. groupes. Bah, Si, si, c'est si, fait, là. Superman et le Black côté capitaliste, et puis. Voilà. Vous vous foutez de ma gueule! Moi, pas aimé, tronche-toi! Donc vous êtes en route pour une destination inconnue, pour un sommet sur l'économie du monde, c'est très intéressant. Et donc voilà, vous êtes dans votre avion, donc vous faites un petit peu la visite. Pendant 5 minutes, je vous laisse, pendant que je m'occupe de conduire ce petit avion. On peut prendre les snacks Non, aussi, non, hein? les terroristes sont pas admis dans la cabine par contre. Bastina, tu vas parler en vocal aussi? Sinon, je vais me faire chier. Oui, non, mais bien sûr. Ok, ça va. Ça, être un bel avion. Danger, ne pas toucher en vol. J'ai touché. Mais non, j'ai touché en fait. Et l'autopilote là-bas, il faut y aller. Comment vous voulez visiter? On se rend dedans. Danger, ne pas On laisser fait quoi qu'en cas qui... d'urgence. Non, Il y a pas. quoi dans la réserve? On peut prendre quoi? Oui. Oh, il y a de la bouffe. Les fucking bagages aussi, on peut les prendre? Ouais, bah oui. Putain, y'en a un connard qui a tout pris. Enfin, j'ai pu prendre 2-3 trucs, mais. Ah bah J'espère que ouais. c'est Batina qui a pris. Ah, magnifique, Batina, il a un gros bâton dans les mains. Viens avec ton gros bâton. Camarade Lane, camarade, vous leur Volka, donne pas non, partager. Non, non, veuillez non, partage sortir. pas avec des communistes. Y'en a secoué. Volka, c'est un communiste, mais il a tout pris pour lui, quoi, je veux dire. Ouais, mais. C'est un communiste à rebours. Enfin, à rebours, entre guillemets. Il partage plus tard. Non. Snacks. Hey, c'est vite parti les trucs. Bon, Il est mignon ton. Hild va dans. Va dans le dans la cabine principale. Bon, alors vu que j'ai besoin de me reposer un petit peu, je vais aller enclencher l'autopilote, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Ah mais. Et tout le monde te suit en fait, Bon, c'est bah je suis prisonnier, c'est cool. Merde, je suis avec lui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça pète! Oh mon dieu! Que se passe-t-il? On a perdu l'aile droite, c'est pas grave, c'est l'aile Ah, il y a capitaliste. pas d'aile de droite, il y a plus d'aile de droite, ouais. Eh bien, messieurs, oh non ah il semblerait que nous avons un petit souci, donc je vous dis. Non, au revoir! Non, non, il est non, où ce connard? Il s'est barré. T'es au-dessus! Laissez-moi sortir! Ne pressez qu'en cas d'urgence. Lequel? Là, il y a un bouton. Ah, je suis tombé. On presse! Ah, nous avons pris un putain dans la de tronche. Putain, j'ai bien fait de tomber, moi. Je sais pas, on va avoir un problème quand on va réapparaître. Ah non, c'est Le putain de bâton, là. Ah merde, on a tout paumé, du coup. Pas moi, À je suis part tombé. Volcan, Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Donc vous vous retrouvez paumé sur une petite île. Non, je suis dans le vide. Ah, pas très bien. Donc la règle, ce sera que les capitalistes et les communistes n'auront pas le droit de construire sur la même zone. Donc il y aura un groupe qui devra construire uniquement sur la zone sableuse, avec des bâtiments en sable, et l'autre zone, enfin l'autre camp qui devra construire sur la zone herbeuse, avec des bâtiments uniquement en bois. Tu sais ce qu'on devrait faire, Ayat? On devrait forcer Jild à être neutre, à construire uniquement entre les deux, oh non, avec une moitié de terre d'un côté et une moitié de sable de l'autre, pour Déconne équilibrer les pas. camps. Puis comme ça, Jild il est entre les deux feux et il prend cher pour tout le monde. Non? Enfin, je pense que ça lui conviendrait bien. Après, je sais pas trop, suivant les objectifs que t'as après sur la suite. Mais comme ça fait deux équipes de deux, puis bah Jild quoi. Ah bah merci, merci. T'en penses quoi? Ah, vous faites comme vous voulez. Bah Jild, qu'est-ce que t'en penses? Bon, pourquoi tu fais pas toi? Parce que moi je suis déjà dans une équipe de deux, Jild. Bah oui. Bon, Volka, c'est toi qui as gardé l'équipement. Alors sois fort, hein? Bon, d'accord. Bon, bah les communistes de merde, vous allez dans le sable, hein, vous faites pas chier. Bah tiens. Vous avez l'habitude d'avoir ça une c'est bien température à la con réflexion chez vous. américain de merde, ça. On peut commencer à construire?
Nous on prend les moutons et le reste. Sinon y'a rien de spécial de plus ou enfin pour l'instant j'en sais rien. Non. Ah, vous mettez les pieds une seule fois sur un truc vert, je vous défonce, d'accord? Ah non, pas moi. Moi je pense qu'on mérite une compensation, on est 2 contre 3 parce que Jild refuse d'être neutre. C'est moi le neutre. Ah c'est Volcal neutre alors. Ah bah ça va être drôle quand même, tiens. Tiens, y'a un bout de l'avion qui reste là-bas. Truc de merde, Volcal. Nous sur le truc, on doit faire en terre, hein, nous. En bois, bâtiment. Ok. Et les autres, ils vont faire comment pour se faire une maison en sable? Ah. Le toit, tu peux pas. Bah, disons que tu vas. Si, tu peux. Donc, bâtiment, je pense qu'il faut qu'on dicte un peu nos règles. On a un peu les capitalistes dans le tas, ce qui veut dire que les gens se basent sur nos. Première règle, on vous défonce si vous faites chier. Deuxième règle. On vous défonce si vous venez chez nous. Troisième règle, Volcar, on le défonce une fois sur deux. Parce qu'il est neuf. Et la règle du Fight Club. Voilà, par exemple, on ne défonce pas Volcar. Même si on aurait bien envie. Mais c'est moi ou les communistes, en fait, ils ont 2 cm de terrain pour eux. Et nous, on a tout le reste. Pas que ça me convienne pas, hein, c'est bien. Oh, c'est à peu près équilibré. Plus ou moins. Ah oui, ça va, là. Plus ou moins, ouais. Ce qu'il faut, quoi. Du coup, t'as combien de bois, là, Kiki? 7. Ok. Par contre, j'ai... Je suis en train de ramasser des pissenlits, là, donc on va pouvoir en poser plein d'autres. Tu sais, les trucs que eux, ils pourront pas faire, là, les communistes. Du bois et tout. Des torches. Ils font comment, des torches sans bois? Ah, je sais. Bah, je sais. On va aller en piquer au capitaliste. Je pense qu'il faut utiliser Volca comme une... source commerciale d'échange mutuel. Donc vous nous donnez absolument tout ce dont on a besoin et puis on vous donne quelques bouts de bâton. Toi et ton blocus de merde. Capitaliste à la con. Glou glou glou. Bon, maintenant la question c'est capitaliste homosexuel ou capitaliste pas homosexuel. A mon avis, au début, on va être obligé de partager le même lit. Quitte à faire les choses bien. La question c'est où est-ce qu'on fait notre maison en fait. Notre zombie. Comme on dit chez les francs-maçons. On aplatit ici, on l'a fait là. On peut faire une maison à deux donc. C'est quoi cette maison là, Volca? Pas chier. C'est une maison neutre. Ils vont pas laisser de bois, j'ai pas le choix. Disons qu'on fera des échanges avec toi si t'arrives à nous débarrasser des communistes. Je vais peut-être quand même faire... Ils vont nous amener leurs idéaux de paix, justice, à coup de missile nucléaire dans la gueule. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps, je pense, à peu près 10 000 ans, vu qu'on part sur du bois, là. On n'a pas encore inventé la roue. Ça vient, ça vient. Toi, tu peux prendre 10 planches, là, Tina. Ah, j'en ai 16, là. Ok. Ah, mes gros bâtons. On est en concurrence ou pas du tout? C'est vous qui voyez, hein. Mais d'habitude, les Russes et les Américains, ils s'aiment pas trop. Bah ouais, c'est pour ça, je pose la question. La nuit va bientôt tomber, hein. Ok, j'ai de la baraque qui fait 3 fois trop grande. T'es prêt, Bathina? Ouais. C'est parti. T'es au courant, Volca, qu'il y a la moitié de la maison, là, qui va disparaître cette nuit? Non. Hey. Mais... Mais pas tant les enfoirés. Tiens. Ramasse tout. Ramasse tout, ramasse tout, ramasse tout. Il est neutre, il est pas neutre. On a des épées en bois. Sors
sorti tout de suite de ma propriété. Ça, ça va se payer. Ah. Pousse. Il a pris l'atelier. Oh, c'est foutre. Aïe. Matina, au secours, j'ai tout le matos. J'avais le matos. Je crois qu'il va falloir qu'on déclare un couvre-feu à un moment, sinon on pourra jamais rien faire. Mon matos! Y'a un putain de creeper à mon cul! Y'en a deux! Non, Matina! Putain, Volca truc! Pousse-le sur lui, pousse-le sur lui! Oh bravo! Ah non, en fait. Bon, c'est des choses qui arrivent. Oh bordel! En fait, là, on vient de réaliser non, le problème, Batina, on n'a pas de maison. Ouais. Donc, à part prendre la lueur de force. Laquelle? Celle où on n'a pas de toit. Bon, ça va être plus compliqué que ce que je croyais. Oh, le creeper chez Volta! Ah bouf, bouf. Ok. Lane, ramène-toi vite. Ça fera l'affaire. Oh putain, j'en ai ras le cul. Ok, alors attends, Jill, technique. On ne bouge plus. Hop là. Ils ont fait quoi? Oh putain, je suis tombé. Oh mon dieu. Eh, pas mal ma technique. Pourquoi vous volez dans les airs? Chez moi tu voles. Mais putain de... capitaliste ouais. De merde. Mais c'est pas un capitaliste ça. Non, ça c'est des connards ça. Oh mon dieu. Crève, crève. C'est de la persécution. Je peux pas blairer les blagues. J'ai récupéré la télé. Non. Bon secours. Bon, à Bassina, il va falloir qu'il y ait un constructeur et un guerrier. Étant le black de la team, c'est forcément moi qui vais être le guerrier. Par contre, il y a un mec qui est en train de te faire chier. Il est en train de te faire chier, je crois. Faut que je retrouve du putain de bois. Oui, il y a le qui est en train de tout bousiller chez moi. Quel enfoiré. C'est dans le vide. Allez, salut. Le monde ouais, merci là. Avec votre bois. Hein. Pas de problème. Jamais on va tenir. Hein. Ah mais Volca il est neutre mais je... en fait tu tapes sur qui Volca? Sur tout le monde. Putain, comment t'as fait pour te TP comme ça Maureen? Je suis mort. Oh je sais, c'est un certain style. J'arrive pas même dans le lit en fait. Ok. Boom. What the fuck. J'ai respawn et je me suis fait pousser dans le vide. Putain Volca récupère une épée en diamant. Une épée en diamant. C'est le daddy là. Mais il l'a trouvé où l'épée en diamant? Il y a plein de coffres planqués à droite, à gauche, mais j'arrive pas à les récupérer. Toujours des blocs dessus, donc. Le problème, c'est que là bon, ça va faire 10 minutes que je fais rien d'autre que respawn et crever. Un nombre de creepers. Petit. Tu devrais imposer des moments de paix, Elliot. Oh merde! Bah non, c'est ça qui est drôle. T'as mis la difficulté au max là? Non, elle est à 2. Oh putain! Allez, qui t'a chilled? Ah bah, quand on disait que c'était la guerre nucléaire. Oh putain! Oui, du poulet! Allez, hop! Merde, je peux pas le bouffer! Petit creeper, viens par ici! Petit! Attention! Boum! Died!
On a une espérance de vie qui est un peu légère quand même. Un peu si, oui. Moi ce que je me demande c'est est-ce que l'île va survivre en fait à cette nuit. Putain, y'a des torches qui tombent du ciel. Ah, j'ai des lacs souris assez méchants par contre. Non. J'ai le wesley. J'espère qu'il est pas sur moi le creeper là. Oh bordel. Oh, des Enderman maintenant. L'avantage pour nous et le désavantage pour les autres, c'est qu'ils respawnent sur notre territoire en fait. Mm. Bon, Jill, ce que je fais n'est pas un acte de guerre. Je me contente c'est pas mal comme technique ça. Oh putain, je sais pas pourquoi je te suis en fait. Bon, technique de survie. Mais ouais, la map est déjà quasiment poussiée. Mais dis-moi, Jamy, comment tu as survécu dans cet environnement? Cet environnement pourtant très hostile. Là, ça pète de partout. Salut, Batina. Ah, ça a pris. Attends, il est pas tombé, Batina? Merde. Batina, je suis désolé, je te regarde souffrir de très loin. Il s'accroche à la vie, quoi. Il est où, Batina? Ah. Il y en a un qui va tomber dans le fil. Pourquoi il a une épée en diamant, cette enfoiré de Volca? Il a dû la trouver dans un coffre, je pense, mais... En tout cas, merci de nous filer vos torches, c'était sympa. Ouais. Merde. Il faudrait juste un bloc de bruit plus, en fait, mais... Le nombre de trucs, quoi. Ouais, non, c'est ignoble, quoi. L'île va être rien d'accord. C'est clair. Oh là là. Quand on aura mis des torches partout, ça ira un peu mieux en fait. Mais je pense que quand on aura mis des torches partout, le problème ce sera plus les monstres. Non, il y a tout qui pète chez nous. En fait, ce que je vais faire, vu que j'ai pas stuff, c'est que je vais aller attirer les creepers chez eux. Je reviens. Bon courage. Bon courage parce que. Non, mais tu vas jamais y arriver. Regarde ce que t'as devant toi avant de tomber sur un creeper. Oh là là. Regarde, le creeper il va te péter à la gueule, boum. Premier. Deuxième. Oh putain! C'est pas un creeper ça! Putain, c'est dommage que Jill soit mort en fait sur le coup de Batina parce qu'il a plongé sur deux creepers. Voilà. Allez, mais t'es quand même effectivement en train de. Disons que bientôt la séparation entre le sable et puis la terre, ça va être un peu inexistant quoi. Puis Volca, elle est où ta maison, Volca? Ah, c'est quoi ma maison? C'est quel enculé? Il y avait pas de maison autrefois ici. Bon, je tue Batina. Quel endroit tranquille. Ah ouais, c'est paradisiaque. Bah si on se démerde bien, Jill, ça fait péter un maximum de creepers entre les deux, puis on a deux îles complètement séparées au final. Faut qu'on se fasse des tranches, non, c'est pas possible. C'est ça que t'appelles de la neutralité, espèce d'enculé. Bon, d'accord. Jill, il a une épée en diamant, il peut faire la loi ici. Ouais, ça, il se contente de tuer tout le monde. Utilise ton pouvoir, Volca. Hé, hey, soleil, lève-toi, bordel. T'as un scroll, il se fait foutre. Oh là là. Bon, il faut reprendre le contrôle de la situation, en tout cas chez nous là. Moi j'attends tout crâne. Hein. Il y a aucun bois qui a poussé du coup. Ouais, il y a plus de bois, hein, Eliott, c'est fini. Non. Comment ça terminé. Bah, y a plus de bois. J'espère qu'elle est pas tombée les bois. Oh, si, il y en a. Non, il y en a plus. Toutes les pousses d'arbres ont pété donc. Les Enderman. Elle est tombée, Volca. Les pop-pop.